Faire de la soupe jumeau, c'est pas très compliqué. Surtout, si tu ne mets pas d'os dur. Quand c'est dur, c'est plus lent. Tu commences par laver ta viande et tu rajoutes 4 cuillères de marinade avec toutes tes épices. Boum. Ajoute du jus d'orange sûr et tu brasses. Ajoute de l'eau, car c'est mieux pour la suite quand c'est mouillé. Et tu recouvres à feu vif pendant 45 minutes. Tu enlèves la couverture pour bien saisir ta viande. Et tu ajoutes du chou, des navets, des poireaux, des patates, des yams, du céleri, des malangas. Tu peux aussi mettre des carottes ou d'autres légumes de ton choix et verse ta purée de courge surgelée si tu as fait ton paresseux. Assure-toi que c'est bien mouillé et recouvre à feu vif pendant 30 minutes. Enlève la couverture et tu brasses. Tu mets les pâtes qui en valent la peine et tu brasses. Ajoute du spaghetti ou les autres pâtes qui te tombent sous la main et tu brasses encore. Ajoute des clous de girofle en souvenir de 2020. Si tu aimes le piment, rajoute-en. I got the right temperature, visual day you from the storm, oh lord. Tu enlèves la couverture et tu brasses une dernière fois jusqu'au fond. Pas trop fort, sinon le liquide revole partout. Tu ajoutes du sel. Si tu te sers en premier, laisse les girofles pour les autres et prends plus de viande. Tu te laves les mains. Tu ajoutes du pickles. Voilà. Bon appétit.